Bonjour à tous, c'est Phoenix29 et aujourd'hui on se retrouve sur The Elder Scrolls 5 Skyrim. Donc si vous vous rappelez bien, la dernière fois nous étions infiltrés dans des ruines de drogueurs et nous avions récupéré la griffe d'or qui appartenait à un marchand qui se l'était fait voler à Rivebois. Et on avait réussi à la paire de dragons qu'on devait aller chercher pour Farangor, le mage de dragon. Donc on va aller rapporter la griffe d'or, comme je vous avais dit. Et ensuite on retournera à Fort Dragon. Montrez à ces votes plus tôt. Vous l'avez trouvé? Voilà! Étrange, c'est plus petit que dans mes souvenirs. Amusant, non? Je vais remettre ceci à sa place. Vous nous avez rendu un fier service à ma sœur et moi. De rien. Ne l'oublierai pas. Donc, je vais regarder si Merci. Je suis... Il y en a qui appellent ça de la camelote. Truc lors du dernier épisode. J'appelle ça des trésors. Donc, on va lui vendre... je vais pas vendre les armes enchantées, comme je vais utiliser la table d'enchantement. Quand on va être tour à Fort Dragon, ça va me faire pas mal d'XP. Le casque d'Hydra, ça je vais le garder. Parchemin, poison, je me sens pas vraiment... Ah bah de l'air, j'aurais dû garder le poison en fait, là, en tout cas peu importe. Juste une petite bouteille. Nourriture, j'aurais pas dû vendre la carotte. Oh, tu vois, tant que ça vaut rien. Fait que... Attends, on vend tout ça. Le cœur de Daedra, ça je vais le garder. Ça on va le vendre. Les améthystes, on va les vendre. Corridor infini, ça c'est des matériaux. Donc on va les garder. Les gemmes spirituelles, on va les garder aussi. Morceau de lin, ça je vais récupérer pour rien. Ah ben, je regardais encore s'il y a des petites choses. J'ai 1643 pièces d'or. Ouais, lui, il prend pas beaucoup de sort, fait qu'on va laisser faire. Très bien. Donc on va sortir. En tout cas, on va jouer quand même. C'est pas plus grave que ça. Vous voyez ? La terminologie correspond clairement à l'ère première, voire à une période antérieure. J'ai l'intime conviction qu'il s'agit de la copie d'un texte bien plus ancien. Il doit dater de la fin de la guerre draconique. Si c'est le cas, je pourrais retrouver les noms par croisement avec d'autres textes plus récents. Bien. Contente que vous progressiez. Mes employeurs veulent des réponses concrètes. Oh, pas d'inquiétude. Le Jarl a fini par s'y intéresser et il me laisse désormais le temps d'effectuer mes recherches. Le temps passe, Farangar, ne l'oubliez pas. Il ne s'agit pas d'une question théorique. Des dragons ont réapparu. Oui, ne vous inquiétez pas. Même si je donnerais cher pour voir de près un dragon vivant. Maintenant, laissez-moi vous montrer une autre de mes trouvailles. C'est intriguant. Ça devrait aussi intéresser vos employeurs. Oh... La pierre de dragon voilà. Du tertre des chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Vous voyez plutôt avec le Jarl ou avec son chambellan, à Venici. D'accord. Je suis sûr que l'un d'entre eux vous dédommagera à hauteur de vos efforts. Mon associé ici présente sera enchanté de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement, mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi, vos informations étaient justes, et nous remercions notre camarade de l'avoir trouvé pour nous. Vous avez trouvé ça au tertre des chutes tourmentées? Oui. Bravo. Envoyez-moi un exemplaire, Farangar. Quand vous l'aurez déchiffré. Farangar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Oh, un dragon. Vous devriez venir aussi. Un dragon. Moi, ça. Comme c'est grisant. Où l'a-t-on vu? Que faisait-il? À votre place, je prendrais ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blancherive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. Allons-y. D'accord. Ah,
Ainsi, Rillette me dit que vous venez de la tour de Gay West. Oui, seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé, au sujet du dragon. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attaque la tour de Gay? Non, seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irilette, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Bien, je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarades. J'ai encore besoin de votre aide. Ah oui. Je veux que vous alliez aider Irilette à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Ouais, pas mal d'expérience. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre vraiment affronté. En gage de mon estime, j'ai dit à Venici que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Donc voilà. Vous pouviez également accepter ce cadeau venant de mon armure. Je peux acheter une maison maintenant. Je devrais vous accompagner, j'aimerais beaucoup voir ce dragon. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons. À vos ordres. Ah oui. Une dernière chose. Il pourrait venir, ce serait bien. Ce n'est pas une mission suicide pour un gloire. Je dois savoir. Bon. Donc, demain, on ira pas fort d'hiver, hein? Ok, go. On y va. Bon, je peux pas beaucoup courir, vu que j'ai pas beaucoup de vigueur. La tour de Gay là-bas. Allez. Dépêchons-nous. Pas de dragon, en tout cas. C'est vrai que je vais... Putain. Parce que là, pour qu'on puisse voir un peu de quoi... Un dragon... ouais, on va voir. Mais ça va rien. Aucun signe du dragon pour le moment, mais tout porte à croire qu'il était ici. Je sais que les choses n'ont pas l'air d'aller au mieux, mais nous devons découvrir ce qui s'est passé. Et si ce dragon rôde toujours... C'est pas si compliqué que ça, le dragon attaqué... D'autres choses à comprendre. Est-ce qu'il y a des survivants? Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor qui essayaient de s'enfuir. Que Kinaret nous garde. Le revoilà. Ah oui. Que Talos nous vienne en aide. C'est un dragon. Sérieux, se pose là-bas. Je suis en place, mais il faudrait que je rende. Allez, reviens-y, toi.
peut-être aller finalement descendre. Ça sera plus simple. Je vais t'achever. C'est un tour.